Bah écoute, Babette, j'aime pas du tout l'idée, hein. Je trouve ça quand même limite. Non, c'est vrai? Bah oui. Mais je pensais que ça t'amuserait, et même que ça pouvait réveiller cette chose, cette bête qui sommeille en toi, mon gros chat. Oui, bah non, le gros chat, il sent pas, voilà. Le gros chat, il est sur la réserve, il a sorti ses petites griffes, et il est debout sur les freins, le gros chat. Oh là là, mais faut que tu décoinces un peu, là. Qu'est-ce qu'il y a de mal? J'ai envie des copines, des voisines, des amis, et puis je leur propose des choses pour leur bien-être. C'est quoi le problème? C'est péché? Je vais aller en enfer? Hein? Avant, c'était les soirées Tupperware, maintenant. Mais Babette, tu fais ça chez nous quand même. Et tu veux que je fasse ça où? À la cave, comme une messe noire? Mais t'as pensé à ce que vont dire les gens autour? Ah, mais je me contrefous de ce que peuvent penser les gens. Enfin, j'ai le droit d'inviter des copines chez moi, non? T'as pensé aux enfants? Ah non, mais attends, là, les enfants, ça fait bien longtemps que ça les étonne plus. Il y en a partout de ces trucs-là. On est au 21e siècle, hein, Michel. Internet, les réseaux sociaux, tout ça. Oh, Cro-Magnon, sort de ce corps! Et vous allez les essayer? Oh, Michel. Bah, je demande. Mais enfin, arrête un peu. Et puis, mine de rien, ça peut rapporter ces trucs-là. Mais je parle pas de ça. Mais tu sais que j'en ai même pour les hommes. Tu devrais essayer, ça te ferait du bien. Elles sont comme des folles, les copines de Mams. Tant mieux, c'est bien, tant mieux. Non, mais c'est fou, sérieux. Même moi, j'ai découvert des trucs que je connaissais pas. Hein. Des trucs de science-fiction avec des strombolasers et tout. Elle est vachement douée, maman, pour vendre ces trucs. On dirait qu'elle a fait ça toute sa vie. Ah bon? Et ça marche? Si ça marche? Mais tu rigoles ou quoi? J'ai vu deux chéquiers prendre feu devant moi. Il y a même une meuf, je pense qu'elle a fait un braquage avant de venir. T'as un Mams, c'est le parrain, quoi. Mais y a qui alors, là? Bah, tout le quartier. Il y a même les meufs de la mairie. Oh non, pas la mairie! Bah, si. Puis y a les mères de mes copines, une de leurs grandes sœurs et les nanas qui ont des boutiques dans la rue piétonne. Et la boulangère? J'ai rarement vu la boulangère dans cet état. Elle est à donf, la boulangère. N'empêche, ça va être bizarre quand on va aller chercher le pain et les croissants. Oh, je suis contente, ça a super bien marché. Dis donc, il y avait de l'ambiance, hein. T'as vu, la boulangère, elle m'a dévalisée. Elle était excitée, hystérique. Elle est marrante, hein. Ouf. Tu veux que je te montre ce qu'elles ont préféré? Ah non, bah, j'ai déjà dit, moi j'aime pas tous ces trucs-là. Oh, ça va, décontracte-toi un peu, là. Voilà. Mmh. Surtout, tu penses qu'à des choses positives. Tu lâches prise. Voilà. Mmh. Oh la vache, c'est bon. C'est bon, hein. Oh, ça me met les poils, dit. Oh, c'est énorme. Je pensais qu'on n'aimait pas mes produits, monsieur le gros chat. Oh là, super. Et dis-moi, t'as d'autres trucs? Ouais. Des trucs qui vibrent. Vas-y, envoie. C'est pour la nuque. Non, Babette, non. Nul.